dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter comment faire parler un Arduino. Pour faire parler l'Arduino, il faudra télécharger la librairie, le lien sera dans la description, puis faire fichier, exemple, hop, et faire démo. Donc une fois ouvert, le code, c'est ça. Et par défaut, ça dit attention danger. Pour choisir les mots qu'il va dire, on va aller sur ce site, le lien dans la description. Une fois sur le site, il y a juste à aller sur cette case. On entre le mot qu'on veut. On fait chercher. Après, ça prend un petit peu de temps. Alors là, on fait ajouter ce mot. Voilà. Donc là, dans notre phrase, il y aura déjà abonné. Et après, on va mettre vous. Voilà, pour le petit exemple. Alors là, on fait chercher. Et puis là, on fait ajouter ce mot. Voilà. Alors, une fois tout ça fait, on prend tout ce code-là. Ben, on fait CTRL-C, on copie. Après, on va dans le code, sur le logiciel. Et on le colle là où il y a marqué coller ci-dessous les définitions. On enlève et on colle. Voilà. Juste après, on retourne sur le site et on prend les deux petits derniers codes là, de rien du tout. On les copie et on les colle juste ici. Et petite chose intéressante qu'on peut faire, c'est que entre on peut mettre du délai. Alors on va mettre délai. On va mettre un petit peu de délai parce que comme ça va être un petit peu mieux. On va mettre 100. Comme ça va espacer quand il va parler. Et voilà. Et on va. Par contre, le délai de 5000 c'est un peu trop long. Et voilà, votre code est prêt à téléverser, donc on le téléverse. Petite chose intéressante aussi, vous pouvez augmenter la hauteur de la voix pour aller de plus aiguë à plus grave et augmenter la vitesse. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 900. Ben donc après, eh ben, il faut choisir un nombre entre 0 et 1023, pas plus ni moins. Et après, ben, la vitesse, eh ben, on va laisser comme ça puisque c'est très bien. Donc après, si vous voulez changer, ben vous pouvez, c'est très simple à faire. Et le code, normalement, fonctionne très bien. Compilation terminée, le code est bon. Pour les branchements sur l'Arduino, on utilise un haut-parleur tout simplement qu'on relie au port numéro 3, que celui-là, on ne peut pas changer, et puis le moins du haut-parleur, on le relie au GND. Attention, ça marche que sur les cartes Arduino Uno et pas les autres. Nous, pour la vidéo, on a mis une enceinte. Donc nous, pour la vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché une prise jack qu'on a mis dans une enceinte Bluetooth. Et en fait, l'enceinte, elle a amplifié le son. Si vous branchez juste le haut-parleur comme ça, ben, le son va être pas fort. Il va falloir l'amplifier pour qu'il soit assez fort comme nous dans la vidéo. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à mettre un like à notre vidéo. Et surtout, un dernier message. Abonnez-vous à notre chaîne, il y en a trop. Salut.